Hello! N'oublie pas que tu peux t'abonner et bien entendu cliquer sur la cloche pour ne rater aucune des notifications. Si jamais tu souhaites me soutenir, tu peux aller sur Utip, ça m'aide énormément, il suffit de regarder une petite publicité. Bon visionnage! Ladies and gentlemen, bonsoir à tous, c'est Dark Evan et bienvenue pour un nouvel épisode de Moluxion, l'épisode 17. Aujourd'hui, t'as un épisode qui va se concentrer sur, aménagement un petit peu, construction. Bien entendu, on va transformer un petit peu la base. Nous sommes également en compagnie de Azunching. Bonsoir Azunching. Et salut mes petits pandas et tes dictings. Nous avons également Dark Shadow. Salut. Et nous avons également Atlantica. Il est pas là, lui. Il est pas là? Le gros n'est pas là! Il est parti faire quelque chose. Faire racaca! Quoi? Il est parti au chiottes. Non, mais réellement, c'est ça. Salut! Salut Clem, ça va? Alors c'est caca! Bah écoute, il te ressemblait. Hein. Octogone direct, c'est parti. Voilà. Octogone! Ça commence tout de suite. Bon! Il va falloir qu'on décide directement déjà de où est-ce qu'on casse la méga torche. Qu'est-ce qui se passe? La méga torche permet d'empêcher le spawn de Grimoire of Gaia. Donc ça va pas mal nous aider aussi. Oh là oui, regarde, j'ai du monde au cul là, c'est la part Games Week. T'as du monde au cul. Ah mais moi j'ai du monde au cul, monsieur. Hop. YouTuber. Alors où est-ce qu'on pète la hauteur? Oh là, ah oui. Regarde la PGW là. Ah oui. Call of. C'est là-bas Call of Duty. Call of Duty. Hey. Je vais donner mon avis, voilà. Je veux le dire, hein. Ouais, parce que voilà, je voulais pas le dire, mais je le dis. Moi, tu vois, je l'aurais collé ici, collé à là, tu vois, ici. Coller la petite. Là, juste ici. De toute façon, la maison, on s'en fout parce qu'elle n'existera plus. Oh, what donc, faut... me. Putain, le karma que je me suis pris. Ah, tu t'es fait tuer. Par une abeille. Par une abeille. Mec était allergique. J'étais allergique et j'ai gonflé. On a toutes les pièces. L'idée, c'est que les pièces soient collées entre elles. Comme okay. Ça on met des thèmes différents, après on s'en fout, peu importe la taille. Donc du coup on a la forge qui est située à gauche, le fameux mur en briques là. Voilà, la forge elle est là. Là ici, bon bah on a le reste, ce que je fais avec Applied et puis on verra ce qu'on fera après. Et donc l'idée c'est que Mechanism se soit collé à cette pièce là ou à la forge. Donc soit ici, c'est à dire situé sous les poulaillers, soit là, collé à cette pièce là, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que dites là? Je pense que, ouais, dans la continuité là-bas, je pense. Du coup, on est d'accord avec moi-même, quoi. Ah bon, t'as dit quelque chose? D'accord, je suis d'accord. Et donc, du coup, tu vois, on ferait ça, et genre là, on commencerait ici, quoi, genre ici. Ouais, à partir de là. Vous êtes où? Vous êtes là? Là. Ah oui, vous voulez juste prolonger, en fait, la grosse salle, quoi. Ouais, voilà. Attends. Et puis, après, on la grandit. Ouais, c'est nickel. Casse hein, pas ici, ça, parce que regarde. En fait. Ouais, bah parfait, alors. Bah, on fait ça. Très bien. Ok. Ça, pour vous, regardez. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un truc pour recharger. Je peux le poser sur le verre, mais ouais, tac. Un charge pad. Et bah, du coup, on rase tout là en fait, tu vois, on fait un énorme rectangle. Voilà, ça va être le défi passionnant de ce live. La bombe avec le gun bonheur et le silex. Oui. On peut faire ça, non? Ça va plus vite. Bah, vas-y. Vas-y. Il faut d'abord. Il faut s'il te plaît. Vas-y, fais. Je le fais, j'arrive. Alors attendez, je vais avec le stuff qu'on récupère, je vais boucher juste la source d'eau parce que ça va nous faire chier. Ah oui, moi ça m'emmerde déjà. Oui, t'inquiète, je. Non. Comment? Eh. Oui, alors super, génial. Mais oui. Oui. Oui ou non? Oui. Mais la surface en premier, d'accord. Grattez pas tout au sol. Faites vraiment la surface d'abord, qu'on se rende compte un peu du coup du triangle. La surface, hein, égale. Voilà, c'est bien, c'est parfait, voilà. Vas-y, défonce, voilà, Pouka, vas-y. Voilà. Oh, fais gaffe au tour. Putain, mais il casse les tours avec. Ah non. Quel tour? Quel tour? Ici, là, à gauche. Je rebouche les sources en même temps. Oh putain, il me défonce. Le mec, il me tire ça dessus, il s'en bat les couilles, quoi. Salut, tu m'as pris pour un mortier ou quoi? Je peux... plus en profondeur? Continue la surface, là, pour délimiter un peu, enfin... Casse-toi, l'abeille, putain. Attends, parce qu'il faut qu'on... Ouais, c'est bien ça. Ouais, voilà. Voilà. Ouais, vas-y, bouge comme ça, ma belle. Attends, t'as trop agrandi. Qui c'est qui est mort, ici? Tommy, il a retiré ses bottes tout à l'heure, quoi. Pourquoi t'es mort? J'ai oublié que j'avais enlevé mes bottes. Bon, alors niveau longueur, je sais pas trop. Ah, je sais même, on voit les explosions de Hazard. Vas-y, passe-moi des bombes aussi. Moi aussi, je veux jouer, putain. T'es où?
Bah, je suis juste. Non, il a cassé le côté. Pas les bords, pas les bords. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais c'est pas précis, désolé. Faut me comprendre, ma pulsion te détruit. Oh putain, c'est n'importe quoi en fait. La puissance du feu japonais. Il l'a fait, putain, il l'a dit. Ah putain. Ah putain, tu les as ratés là, je t'avais dit, je t'ai balancé. Eh, j'en veux aussi, hein. Non, t'as qu'à le faire. Comment ça se craft? Attends, c'est parce que. T'as fait, t'as fait un truc des consanguins, donc je te fais. Non, vive les chinoises. Les chinoises. Oh, ça coûte pas cher à faire. Vas-y, Clem, creuse. Mais moi, je fais le travail de précision, au moins. Tu seras notre pute. Ok. Lancez les grenades. Désolé. Attends, parce qu'il faut que ce soit profond jusqu'à où? À peu près comme le cul de... j'allais dire aussi profond que le cul. Non, mais non, putain, espèce d'idiot. Qu'est-ce que t'as fait? Le cul d'os. Pas, il l'a fait. Genre, il a démoli la. Pourquoi c'est qui l'a fait? Moi, c'est pour ça que je l'ai évité, moi. Bon, après, c'est sa propre. Il a détruit sa propre construction, hein, après, mais. Mais Tommy! Pourquoi Tommy? En fait, je visais plus sur la droite. Tu mais visais quoi, Tony Kedjur entier? Mec, mais, tu viens de détruire le mur entier. Ça s'est creusé, continue à l'atomique. Je te faisais confiance et tout, je me suis dit, bon, Tommy sera un peu plus mature que Clem, donc du coup il va gérer ça. Mec, c'est le premier qui a tout démoli. Mais mec, je suis le premier à le faire à la main pour éviter ça, donc. Le mec, non mais attends, ce qui est génial, c'est qu'il a pas fait juste un trou dans le mur, il a détruit le mur. Putain, heureusement que les installations ont été détruites, quoi. Putain, fallait viser là-bas, c'était pas compliqué, t'avais un boulot, putain, Tommy. En fait, il est 13 bits. En fait, non, c'est bon, j'ai voulu. You had one job, tu te rappelles? Et ça a été plus haut. Oh, on a des blocs. Putain, c'est énorme. Non, mais putain, mais quel con. Attendez, là, je réalise maintenant. Ah ouais, bah, j'avoue qu'il y avait un certain talent, hein. Vas-y, c'était champion. Ah bah là. Oh putain, mais t'as réussi à tirer jusque là? Ah non, là par contre, c'est pas moi là-bas. Là, c'est pas moi. Mais c'est qui a fait ça? Ah là, là-bas, c'est pas moi. C'est toi. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est toi, mec. T'as tiré, ça a dégommé ton arme. Je peux pas dire que c'est pas toi. Oh mec. Oh mec, c'est pas moi. Il dit c'est pas moi. Il fait. Oh bah non, c'est pas moi. C'est pas moi, quoi. C'est pas moi. Faut pas toucher. Faut pas toucher, moi, monsieur. Ah putain, je suis mort. Bon, c'est pas grave, voilà, c'est que de la décor. Je suis là pour le spectacle, hein, moi. T'as pété que le décor, donc c'est pas très grave. Ouais, ça va en soi, ça va, heureusement d'ailleurs. Ouais, putain, parce que le truc à côté, je t'aurais tué. Oh putain. Ça marche quand même. Je réponds à un. Ça partait sur une bonne intention, hein. Mais tu voyais, je me suis dit, le premier qui va faire une connerie, c'était Asne. Eh ben non. Eh ben non, c'était. Eh ben non, il a été très sage, hein, Asne, en fait. Hein. C'est... Par contre, en Tommy. Vrai, je me fais plus de Tommy que d'Asne. En vrai, tu sais, attends, tu sais, je me suis dit. Je vais viser vers le bas, et en même temps que j'ai fait ça, j'ai bougé à gauche. Et j'ai ah ouais, mec, mais hey, tu sais, t'as fait. Vraiment, t'es genre. Gilbert Montagnier aurait pas mieux fait, quoi. Ah oui, ouais. Attends, je peux en mettre une autre si tu veux. Non, c'est bon. C'est genre, on voit bien que t'as fait une tracée, genre, t'as fait vraiment. Genre, je sais bah ouais, pas, ah oui, comme si t'avais. T'étais tombé sur ta souris, tu sais, en mode, t'as fait. Et, mais par contre, oui. En cliquant droit comme un porc, hein, parce que. Ah oui, j'en ai au moins balancé 5-6 là, en vrai. Là, il pourrait dire, j'ai glissé, chef. On voulait pas tout refaire à la base. Non, pas tout. Pas tout. On a dit, plus. On démolissait notre maison, pas ça. Ça, c'est neuf. En hey, détail. Le best-of. Salut, le best-of. Hey, salut, le monteur. Quand il me fait envoie ça, c'est un quoi point exé. M'envoie un petit point zip, s'il te plaît. Ah oui, tu feras un best-fouf. Un best-fouf en point zip, putain. Vous savez quoi, moi, je laisse les pigeons travailler. Hein. Moi, je fais les tours. Bon, moi, de mon côté, ça commence à... C'est bien.
De mon côté, c'est pas mal. Mais tu vois Tommy qui fait un mouvement de tête, genre il se fait un 3-6 noscope sur lui-même, et genre tout d'un coup, tu vois tout le mur qui disparaît derrière. et je veux, parce qu'au début, ce que j'adore, c'est qu'en plus, t'as, je sais plus, c'est moi ou est-ce qu'il faut. Hé, hey, Tommy, il fait, oh, c'est pas moi. Je fais, bah oui, le temps que je réagis, je me dis, mais c'est pas moi. Et après, je réfléchis, ah, c'est peut-être moi. Je fais attention, hein, j'essaye de faire attention. Il se marre tout seul. Je pense que le mec il est déjà mort de rire avant de commencer. Il fait, je fais faire attention. Non, mais je pense chaque fois à Tommy quand je vois. Oh, mais mec, mais vraiment, je me revois. Genre, au-dessus, je me dis, ah, c'est trop marrant les explosions, lol. Et là, je bouge, je tourne à gauche et je me dis, oh non. Regarde, regarde là. Arrête. Arrête! Vas-y. Non, dégage. Arrête, Tommy, arrête. Arrête. Je vais le faire, les gars, je vais le faire. Je viens de recommencer, s'il te plaît, fais pas ça. Donne-moi ton PayPal. Donne-moi ton PayPal. Je rigole pas avec toi, double PayPal, vite. Donne le PayPal. Je clique. Donne le PayPal. Donne le PayPal. T'as eu peur, hein? Oh, t'as eu peur. J'ai une balle, quoi. Allez, c'est bon, j'ai tout refait. J'ai tout refait ici. Ah putain, mais là, il faut boucher la totalité du sol, hein. À hauteur 50. Ah ouais, d'accord. Mais vous avez fait des putains de trous en fait. Maintenant il faut reboucher en fait tout ce que t'as. Alors on va reprendre sur arc. Ah oui, d'accord, oui. Ok. Je vais juste laisser des torches en dessous alors. Oh putain, merde. Ah oui, c'est chiant. Moi je vais poser des méga torches. Mais c'est pas ma faute ça, hein. C'est vous qui avez. C'est vous qui avez spammé comme ça. Je dis ça, j'ai proposé l'idée. On a validé. Bon, ok, bah je vais juste foutre des torches et puis basta. Vous avez validé. Comment ça, elle validait? Rien validé, moi. Et après, elle a dit, ah, c'est grave poison. Bon, c'est vrai. Terminer le trou, enlever tout ce qui était de mécanisme et le remettre ici, et ensuite détruire cette maison et commencer. On va se dire qu'on va pas forcément finir la maison, mais au moins grandement la commencer, quoi. Mais moi, voilà. Ah putain, je vais me faire tuer. Oh, ce petite patate qu'il lui a mis. Cette violence envers les dryades, je comprends pas. J'appelle SOS Dryade. SOS Dryade. J'ai cru un moment que ça faisait SOS Dryade. Votre barbecue vous votre manque. Votre barbecue. Appelez SOS Dryade. Des bonnes merguez. Non, mais nous, par contre, ce qu'on peut se concentrer là, parce que reboucher ça, enfin, c'est pas là pour qu'on avance pour le live. L'idée maintenant, ce serait, et ça, je préfère te laisser le faire, Clem, c'est d'enlever les trucs mécanismes et qu'on commence à tailler la maison en pièces. Ouais. Bon, nous on va commencer à tailler la maison en pièces. Au pire, commencez à tailler la maison, ouais. Vous laissez les appareils de mécanisme voler en l'air et. Mais paf, j'ai cassé la maison. Waouh. Ah, je suis en vein miner. Ah oui, non, c'est toi en fait, d'accord. Je suis en mode, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est moi. J'ai oublié. Qui t'as attaqué une satire? Ah non. Non, j'ai cru qu'elle allait m'attaquer, elle allait. Oh putain, ouais, elle est arrivée d'un pas décidé. Hein. Elle est déter. Hein. Ouais, elle est rentrée en mode, j'ai dit, c'est quoi ça, c'est une agression ou quoi? Elle est rentrée en mode, Théma, tu veux casser les trucs, fais gaffe, hein, parce que moi je te pète la gueule. D'accord, ok. C'est le but, c'est juste en fait, c'est juste qu'on va bouger les trucs de mécanisme, mais par contre, la maison, on va refaire une maison. On va juste changer le style de la maison. Mais je suis pas d'accord, c'est ma maison. Mais quoi. Nous, on était d'accord par contre. Tu sais, après tout, Asne, la maison était absolument dégueulasse, ignoble et repoussante. Comme ta gueule. Oh la violence. j'ai presque cru qu'il était vraiment énervé, quoi. Bah, je suis dans la maison. Enfin, la statue de Clem, elle reste comme épouvantail. non, on en refera d'autres. C'est pas une question qu'elle gâche la vue et tout, c'est que. Alors, ça nous permet plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, il y a plein de choses. Par exemple, tout ce qui était les coffres, on les avait tout stocké à l'époque parce que dans Upload, on pouvait pas mettre les choses. Bon, maintenant, c'est fini. Tous ces coffres-là, c'est inutile. Donc, on les tège. Ensuite, là. Bonjour. Asne, il dort, du coup, il s'est mis en rond. Ensuite, la deuxième chose, c'est que la maison qu'on avait, il y a eu plein de trucs de mécanisme, il y avait plein de câbles partout, etc. Et là, justement, on est en train de créer cet endroit-là pour y mettre mécanisme. Et parce qu'ils vont devoir avoir une plus grosse installation, donc du coup, c'est beaucoup plus pratique d'avoir toutes ces machines là, ici, à l'endroit où elles doivent être. Et comme ils en avaient énormément besoin, on savait que la maison ne serait pas suffisante. Ensuite, la prochaine chose, bah, c'est que c'est un de mes objectifs, c'est que je dois faire une maison plus jolie
et qui ne soit pas dans le style que j'utilise habituellement, c'est-à-dire un truc avec des poutres et tout. Même si la première maison était de Hazn, là, avec Tommy, avec l'aide de Tommy, parce que Tommy va quand même m'aider, on l'a fait à deux, mais on voit à peu près, parce que c'est moi qui ai dit à peu près ce que je voulais comme maison, etc. Donc on a regardé, après on a vu à peu près les plans qu'on devait faire, etc. Après j'ai une grosse aide de Tommy quand même, mais parce que bah, c'est long à construire, donc tant qu'à faire, autant être deux. Hein ? Ah bien sûr. Et voilà, et donc du coup, bah, on va pouvoir faire The Maison. Il va frapper les... Parce qu'il frappe toutes les dryades du coin, là. Tommy, fais gaffe. Je crois que mais faut pas. I like le. Tout le monde sait que Ah putain. Hazn, coucou. Hazn, coucou. Putain, comment ça se fait qu'on l'entend? Hazn, ta gueule. Atlantique habite. Hazn, chat. Eh, hey, les gars, vous pouvez arrêter. Putain, c'est les premiers trucs qui m'ont réglé. Oh la vache. Tu vas peut-être toujours activer. Hazn, Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Ah, moi, c'est comme ça. Putain, elle l'a dit. Dark Shadow Boulanger. Boulanger. Dark Evan, lol. Ouais, ça le fait pas. Eh, franchement, ça s'en sort bien. Antica, DFWQGDFQGKLQGMFLGMFJWAPDWIN. On est tous des gamins dans l'âme. Dark Evan, émoticône riant de toutes ses dents. Émoticône riant de toutes ses dents. Atlantica, émoticône tristesse. Dark Shadow, émoticône sourire. Okay, c'est Dark Shadow avec de la sauce sur les frites, chef. Arrête. C'est trop. Là, c'est Narrator bien. On a bien profité. On arrête là. C'est bien. En vrai, moi, je vois jamais les messages qu'on écrit sur Minecraft, donc ça va être trop bien. Les gars. Vous appuyez sur espace en allant là-dessus. Oh. Et vous faites shift pour redescendre. Voilà. Ça m'intéresse plutôt. Donc j'en ai d'autres si tu veux. C'est simple, tu prends de la laine, 8 de laine et un œil de lender, une perle de lender en dessous. Il faut juste qu'ils soient les uns sur les autres et après voilà. Tu peux même en même trop autant si tu veux, si tu veux des étages. Okay. Waouh, c'est quoi ça? What the... Ah ouais, téléport. Et voilà. C'est top combien de level? Je sais pas, on en a pas mal, hein. Ah, pas mal. Enfin, on entend même le clavier avec, hein. Ouais, je fous. C'est le DLC. À un moment, il va mourir. Ou soit il va retourner dans le passé. Eh, hey, Marty, calme-toi. Tu vas finir par niquer ta mère. Pardon. Je me mets sur les murs, en fait. Vas-y, bah, je le mets là. Principalement. Merci. On a tout rentré, on a tout vidé, tout est clean. Voilà, tout est clean ici. Donc, hey, je te propose, Tommy, on pose quelques fondations, genre la base, on essaie de construire l'armature. Ça roule. Et après, voilà, on fera la suite. Portail du Nether, on le laisse ici ou on va peut-être le déplacer? Bah, on pourra le déplacer. Hein. Ouais, maintenant, parce que tu vois, si on construit et tout, ça va nous gêner. Puis on va reboucher avec de la terre ici. Alors, ici, c'est trop petit, clairement. Ah ouais? Et ouais, ici, ça sera trop petit, à moins... qu'on casse les arbres là autour, mais ils sont trop petits. On va péter les arbres là, les arbres là. Parce que... On peut. Là, on pourrait péter, ouais. Du coup, la première chose à faire, il faudrait faire une base, genre plutôt carré ou rectangle. Alors, moi, j'aurais eu l'idée de faire une sorte de L, tu sais. Une maison en forme de L, avec un prolongement ensuite pour les salles, pourquoi pas dans le L. Mais à voir après, et avec donc un balcon qui serait un peu différent aussi par-dessus. Bah, tu veux qu'on décale des trucs, dis-moi. Hein. Ouais, je pense, ouais, les arbres violets, ouais, décalés. Des arbres, ok. Ouais, je pense. Ouais. Ouais, écoute, on va les décaler comme ça. C'est pareil, Hazn, t'es encore vivant ou tu dors? Oui, je suis vivant. Est-ce que t'as moyen de nous bouger le formulique assemblicator pour les passer vraiment du côté de Mechanism, du coup? Tout ce qui te permet de faire la octuple, tu sais ce que tu cherches, l'objectif qu'on a pour la octuple cobblestone. Ceux qui sont là. Parce que, On pourra l'installer en dernier. Mais ouais, mais s'il peut les poser ailleurs en attendant, en tout cas. Ouais. Alors, bien entendu, hein, comme je le disais, nous, le build, c'est pas notre truc qu'on y va tranquille avec des inspirations qui ressemblera peut-être probablement à des trucs. Mais ce sera différent de mon style de construction d'habitude, ça je l'avais promis. Donc, du coup, j'ai dit, j'ai jamais construit de moi-même une maison moderne. Donc, voilà, on va essayer de faire une maison moderne. Essayer, bien sûr. Voilà. Et on pourra utiliser Malisis d'or, et ça, c'est plutôt cool aussi. Tu vois, genre. Moi, je me disais, si on faisait d'une sphère, tu vois, au pire, on la ferait là. Regarde. Mais alors, par contre, ce serait pas forcément une sphère, mais une demi-sphère, ici. Là, regarde, Tommy.
Il y a un truc genre du style, on partirait comme ça pour faire un angle comme ça. Qui est absolument très mal fait, mais. Parce que là, ça fait plus de la diagonale. Comme ça. Voilà. C'est une chaussette. Putain, ouais, on fait une chaussette, mec. Je fais l'Italie. Putain, mais c'est une chaussette! C'est vrai? Mais bon, après, forcément, oui. Une chaussette de Noël. C'est une petite chaussette. C'est une botte. Ouais, j'avoue. Ouais, après, une fois que t'as fait les murs et tout, ça fera plus une chaussette, mais. Etc. Mais juste du planche de bois, ça me fait chier en fait, parce qu'on passe notre vie à mettre des planchers en bois. Il aime pas le bois. Alors, mais non, mais c'est parce que je fais que ça en fait, donc ce que je voulais, c'est que ça change. Je me disais. On peut mettre de la concrète blanche. La concrète blanche sera peut-être les délimitations pour la maison moderne, donc. Bah ouais. Du quartz. Attends, parce que moi, mon idée, tu vois, c'est qu'on fasse donc le premier, donc la chaussette par exemple, et par-dessus, on refasse un truc, mais tu vois, pas assemblé pareil, tu vois. Enfin, comment dire, que ce soit pas juste une sorte de building, juste un appart basique, mais plus de trucs, quoi. Plus stylé. Le mec qui arrive pas à parler, quoi. Enfin, un truc plus, ouais. Plus... Un truc mieux, quoi. C'est un truc plus, ouais, carrément, ouais. Ouais. Oh, attends, on a des builder wand, Tommy. C'est quoi? Builder wand, mais du coup, ça va faciliter la création, et donc c'est dans Extra Utility, il faut juste des magical woods, donc des bibliothèques avec de l'or et 4 d'XP. Vas-y, je vais tester, franchement. Hop. Ok. Et donc, du coup... Hop là. Alors, comment ça marche, le Builder Wand? Contrôle, non. Shift-clic droit. Ah. Ah oui. Ah, d'accord. Ok, je vois. Je vois le délire. Ah, ni. C'est cool, ça. Ouais, et regarde, Tommy. Alors. Le Builder Wand, c'est pas mal, tu fais hop, hop, hop. Oh! Ah, il y a une bonne portée, hein. Ah, c'est pas mal, c'est pas bête. Ah, ça, c'est pas mal en fait. Merci, ouais. Merci de l'avoir proposé. Je savais pas que Extra Utility avait ça. C'est tellement grand, Extra Utility. Je savais pas que Extra Utility a tellement de choses que je ne connais pas, donc à chaque fois, j'en découvre des nouvelles. J'avoue que là, j'étais tombé sur le Rainbow Generator, j'étais en mode, ah, oh, j'ai trop envie de tester, mais après, ça a l'air chiant. Je sais pas en fait si le Rainbow Generator, en fait, il est cool. Ou si c'est un cauchemar en fait. Par contre, j'avais dit combien de hauteur? 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, c'est bon. Le grès concrète, ouais. Ouais, voilà. Et bah, alors, ah non, pas ici. Mais du coup, derrière. On fait une ligne derrière. Alors, du coup, tu vois, j'avais pensé à ça. Et de le faire aussi au niveau. Comment on stabilise? Comme ça, au niveau devant. Mais genre avec une slab, mais plus foncée. Ou genre, je sais pas, de la brique par exemple, j'en sais rien, de la slab. Mais genre pour faire un genre d'effet comme ça, tu vois. Sur certains moments, en endroits de la maison, comme pour un prolongement. D'accord. Et du coup, aussi utiliser ces enfoncements pour donner un peu de relief, tu vois. Ouais. Après avoir, je sais pas, faire toute une ligne pour tout, je sais pas. Je sais pas encore trop comment on... Ok, donc là j'ai augmenté le truc. Alors l'idée après c'est que, tu vois, parce que du coup, ce qui va faire le renfoncement va faire aussi le deuxième étage, je me dis. Enfin, la surface sur laquelle on peut le poser. Ouais, donc carrément. Du coup, bah, si on a beaucoup de blagues concrètes, au fait, je te propose de le faire tout de suite. C'est très agréable. Ça gagne du temps, ouais, carrément. Parce qu'en fait, je les ai toujours présentés hein, dans mes présentations de mode, tu vois. J'ai toujours trouvé mais ça trop plus. Cool. J'ai jamais pu m'en servir, tu vois. Je me dis, ah oui, quand même. Quand même, c'est bien. Et encore, ouais. Là, c'est vraiment une version basique. Boucher un trou de merde. Ah oui, parce qu'en fait, ils sont en train de reboucher tout un truc, en fait, ici. C'est pour ça qu'ils disent plus rien. Parce qu'en fait, bon, on a fait un énorme trou ici pour la nouvelle salle de mécanisme. Donc, il y a des choses qui vont être installées au fur et à mesure. On a commencé à parler par-dessus à vous et. Je comprends. Et donc, ici, vous voyez, il y a tout ce trou à reboucher pour éviter qu'il y ait de la génération des trucs et tout machin. Donc, du coup, ils ont commencé à tout reboucher. Et puis là, Asne est en train de rendre les trucs tout droit pour pouvoir faire le truc tranquillement. Voilà. Mais c'est pareil, hein, ça avance. Ouais, ils ont posé. Et tada. Ah pour oui d'accord ok oui. Après oui, on peut oui. faire deux lignes hein si tu veux. Tu vois. On peut faire des trucs comme ça avec. Ça ouais à la rigueur ouais. Oui ouais plutôt ouais comme ça plutôt ouais. Mais okay. après tu vois parce qu'après ça commence à faire vachement grand. Après ça fait peut-être trop grand ouais. Mais ouais moi je pensais à faire ça justement rajouter ça faire la ligne mais alors pourquoi pas tu peux rajouter des lignes après par dessus hein, mais. Message de Soyuz, le maître Darkhaven a donné Tommy une chaussette. Tommy est un elfe libre. Voici ta chaussette, Tommy. Yes. Tommy, le maître. Je suis libre. Le maître a donné une chaussette de bille. C'est qui a dit ça?
C'est Soyuz. C'est trop bien. Ouais, pareil. Et bah du coup, je vais tous vous faire des Builder Wand, ouais, parce que du coup, Clem, ça t'intéresse, ça, en fait, le Builder Wand. Carrément, ouais. Machine Frame, paf, paf. Ok, Redstone Furnace, tac. Ok, c'est bon. La vitesse, la vitesse. Ça faisait, etc. Parfait, on a du RF. Parfait. Ah, par contre, oui, c'est vrai qu'on n'a pas d'upgrade là-dessus. Alors, quand je tape upgrade, forcément il y a des upgrades de tous les sens, donc upgrade... Et... Laser. Le rotten flesh cuit, ça donne oui. du laser. Oui, oui, c'est pour ça que je cherchais une manière de faire du cuir autrement, et donc avec 4 rotten flesh, tu as ça. Donc gardez oh, bien... Je crois pas, c'est trop bien, putain. Il faut juste avoir les outils, les matériaux avec vous. Tiens, Clem, hop. Il suffit juste d'avoir le matériau, tiens. Prends le matériau que tu veux, par exemple de la cobble, et donc tu vises, et donc voilà, si tu veux étendre un mur, etc. Par exemple, regarde, tu fais un mur comme ça, hop, bah, ensuite tu passes ton bâton et pof, tu peux faire ton truc comme ça, voilà. Il faut que ce soit toujours sur le même matériau que tu construis. Tu peux pas le faire, en fait, cobble sur cobble, tu vois, si tu mets concrète sur concrète, tout ça, mais par contre, si tu fais cobble sur andésite, ça marchera pas. Je voudrais les espacer comme ça, attends, parce que qu'on soit plus visible. Genre comme ça. Alors, soit on met une de 2, une de 3, genre laisser de l'espace, ouais. Mais genre ou que... faire que de 1 pendant mes 3 que de 1, tu vois. Ouais. Alors, attends, je regarde un peu ce que ça donne. Oh, en fait, l'espace, je sais pas. Je trouve ça cool, mais en même temps, je suis en mode putain, ça a pas l'air assez haut. Genre, les fenêtres sont pas assez ouais, imposantes. Ouais, hein. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être encore un ou deux de haut, je pense. Ça manque de hauteur, ouais. Il fait pas un trou, il détruit des blocs. 1, 2, 1. Alors oui, notre problème, c'est pas vraiment la forme sur le large, mais c'est vraiment la hauteur. C'est juste que moi, hauteur, ouais, je trouvais que c'est pas assez imposant pour une maison moderne, genre plus grand. Chercher. Ah, Azn, tu t'es réveillé? Non, pas du tout. Azn Ching is no longer AFK. Ah ouais, putain. Je vais le... Oh merde, ils ont repéré que j'étais en train de dormir. Dans non, ma pas tête, du tout. Moi, j'étais là. Dans bah. Ma tête, il me semblait que c'était court. En vrai, je me suis dit, ouais, ça va, je continue. On voit Azn Ching is not AFK. Alors, ça va, t'as dormi? Oh, bah non, moi. Oh merde, j'ai été repéré. Ouais, mais 2-3-2, on voit pas assez la différence. Je préfère limite faire du 1-2-1 du coup. 1-2-1-2, ouais, je préfère moi perso. 1-2-1, ouais. 1-2-4, 1-4-2-1. Ou si tu fais 1-3-1, peut-être, je sais pas. Ah oui! Alors, remarque si pour une symétrie, ouais. Comme ça, au centre, tu vois, on aura une... Ah oui, on a la grande baie vitrée ouais. Et repartir. Ah oui, ouais. Ok, on est sur du impair. Parfait. Donc, du coup, on peut pas avoir une baie vitrée de 4. Ce sera de 5. Putain, casse-toi l'œil. Voilà. Et là, on ferait ça comme ça. Donc là, on aurait notre baie vitrée de 5 au centre. Voilà. Déjà. Voilà, ça, on part du centre. Comme appui de fenêtre, tu parles en dessous, là? Du blanc? C'est temporaire, ouais. Hein. C'est temporaire. Oui, le blanc est temporaire. C'est pas ce qu'on compte mettre à la fin. Si c'est ce que tu parles. Je sais pas si c'est... Ouais, ouais, il a dit en bas des vitres. Ouais, donc c'est bien là. Ouais, ouais ça, c'est ouais, temporaire. Ouais, c'est temporaire. Donc ce sera pas final. Le final sera pas comme ça. C'est cool, hein. Ouais, j'aime bien. On sait qu'on a pas fait grand-chose, mais... Je suis content. Ouais, c'est un début. Sachant que je fais pas grand-chose, moi, souvent. Content. Non, mais ça va prendre du temps. Donc non, c'est... C'est bien. Et du coup, le plafond le fait là. Ouais. Celle qui m'intéressait aussi, c'était. Alors, ça, c'est trop grand. Door Factory. Ah, la Door Factory, s'il faudrait qu'on la teste. Je teste. Ah, ouais, faut que je teste la Door terminer. Factory. Custom Door. Force Field aussi. Le Force Field, ça va être cool. Et il y en a une que j'aime qui s'ouvre, qui est un peu futuriste, qui me fait trop délirer. Ah, il y a la Factory Door. Ouais, mais elle est pas belle en fait. Ah, ça, par contre, c'est beau. Elle est pas belle la vie. Voilà, ça peut être cool. Alors vas-y, on va faire des tests de portes. J'ai un truc à te proposer qui peut être pas mal. Dis-moi. Dans les tons, ça peut être vachement cool. Dis-moi. J'ai réfléchi, à mon avis, ça peut être super. Regarde. J'en ai parlé à Jennifer, la compta hier. Elle avait l'air carrément intéressée. Quoi. Oh, je m'attendais pas à ça. Ah oh, putain. On a emmerdé, ça marche pas. Ah putain, pourquoi on... Qui c'est qui a frappé les mobs passifs, putain? Je vous déteste. Putain, mais... Culé. Ah, il va falloir un levier pour cette porte. Ah non, c'est pas moi. Non, mais je sais. C'est... Peut-être une porte de 3 sur 2. Ah, yes. T'as vu ça? C'est beau. Ah, c'est beau. Voilà, d'or. Bienvenue à Star Command.
Ah, c'est cool quand même. C'est Malizis. Pourquoi on attaque pas, moi? Clic droit, clic droit, clic droit, vas-y. Mec, c'est une porte de vaisseau spatial. T'as vu? Allez-y, mon armée, tuez-les. Tu t'y crois trop, putain. C'est méchant dans les films. Allez-y, tuez-les. Tuez-les tous jusqu'au dernier. J'aimerais vous tuer même si vous n'êtes pas dans la pièce. Cette porte, c'est simple, je la veux. Nous ne céderons pas notre quartier. La République, c'est moi. Ma porte est sacrée. Merci à tous d'avoir regardé en tout cas cet épisode de Modiction. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Les objectifs continuent d'avancer, bien entendu. On va continuer la maison dans les prochains épisodes. Hein. Bien entendu, ce n'est pas terminé encore. Hein, des nouvelles découvertes au fur et à mesure. N'oubliez pas qu'il y a YouTube. Vous pouvez regarder à chaque fois une petite publicité. 30 secondes à chaque fois. Eh bien, ça m'aide énormément. Donc, n'hésitez pas. Vous avez les lives tous les soirs vers 21h, 22h. Je peux être en retard aussi. Donc voilà, je dis toujours 21h, mais c'est vrai que ça commence plus tard maintenant. Merci à tous d'avoir regardé. Ciao à tous et à la prochaine, les amis. Salut. Ciao, ciao. Au revoir, je vais dormir.